Donc ici, on va continuer sur l'unité 4. Donc vous écrivez unité 4, leçon 15, suite. Vous écrivez la date, l'heure, quantité encore en solution, stoichiométrie en solution. On va voir d'autres exemples. Donc maintenant, exemple 3. Nous avons vu l'exemple 1, l'exemple 2. Maintenant, on va voir un autre exemple, exemple 3. Alors, donc, du magnésium est mélangé avec de l'acide chlorhydrique pour former de l'hydrogène gazeux. Alors, ici, ils disent détermine la masse d'hydrogène formée si 500 ml d'acide à chlorhydrique en 1,00 mol par litre réagit avec 11,5 grammes de magnésium. Ok, alors lisons encore la situation. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent du magnésium est mélangé avec de l'acide chlorhydrique. Donc on a le magnésium mélangé à l'acide chlorhydrique pour former de l'hydrogène gazeux. Détermine la masse de l'hydrogène formé si 500 ml d'acide chlorhydrique à 1 mol par litre réagit avec 11,5 grammes de magnésium. Alors, encore une fois, même chose, étape 1, écrire l'équation et la balancer. Toujours. Étape 1, écrire l'équation chimique et la balancer. C'est-à-dire l'équilibrer. Le balancement, c'est l'équilibre. Je la balance, je l'équilibre. Alors, qu'est-ce qui a réagi ici? Ben, j'ai le magnésium et mélangé avec l'acide chlorhydrique. Donc, j'ai le Mg plus HCl. Qui va me donner? Ils m'ont dit, il va donner l'hydrogène. Oui, il va donner l'hydrogène. Alors, attention, parce que ça, c'est un métal avec un acide. Les métaux réagissent avec l'acide pour donner l'hydrogène. Plus, c'est un simple déplacement, en fait. C'est un simple déplacement. Plus, ici, ça va nous donner MgCl2. Ok, c'est une réaction à simple déplacement. Donc, je vous le donne ici. Donc, comment on le trouve cette réaction? Bah, c'est quelque chose que vous devez connaître. C'est une réaction à simple déplacement parce que j'aurai le Mg qui a une charge de 2+. Le chlorure d'hydrogène parce qu'il va m'en donner H+ et Cl- parce que c'est un acide. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a un simple déplacement. Ça veut dire le Mg de plus va partir avec le chlorure et l'hydrogène va rester tout seul. C'est un simple déplacement. Comme l'hydrogène tout seul n'existe pas, il va former les H2 et le Mg de plus va rejoindre le chlore pour former ça. Donc voilà, ça c'est notre réaction. Donc la réaction c'est celle-là, c'est Mg plus HCl qui nous donne H2 plus MgCl2. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut balancer notre équation. Donc on a trouvé notre équation, il faut la balancer. Je regarde est-ce qu'elle est balancée ou non. Donc, ce n'est pas balancé, je dois le faire. Alors, ici, Mg, j'ai un seul Mg, on va mettre un 2 ici. Ben, maintenant, il est balancé. J'ai 2 HCl qui donne H2 plus MgCl2. Donc, ma réaction maintenant est balancée. Deuxième étape. Convertir les masses et les concentrations, c'est-à-dire les informations, les données, en mol. Je ne sais pas quelles données il me donne, mais s'il me donne, je dois les convertir en mol. Alors là, maintenant, je reviens à mon exercice. Qu'est-ce qu'il me donne? Alors, ils me disent du magnésium est mélangé avec de l'acide chlorhydrique pour former de l'hydrogène gazeux. Tout ça, on en a. Ça nous a donné la réaction. Là, ils me disent, je vais faire une autre couleur.
Déterminer la masse d'hydrogène. Je dois déterminer la masse d'hydrogène. Donc, c'est l'hydrogène là que je dois trouver. Former, si, 500 millilitres d'acide chlorhydrique. Donc, il me donne le volume. Les millilitres, c'est l'acide. Donc, je vais l'écrire ici. C'est un millilitre par un litre. 500 millilitres. Donc, il me donne le volume de l'acide. Donc, je l'écris ici, l'acide HCl. Il me donne son volume. Donc, je mettrai N, V et C. Parce que la concentration, ça va toujours avec ça. Ça, ils m'ont donné 500 millilitres. L'hydrogène, si 500 millilitres d'acide chlorhydrique à 1,00 mol. Ça veut dire qu'ils m'ont donné la masse molaire. Masse molaire, la concentration, c'est 1,00 mol. Ça veut dire mol par litre. OK, quoi d'autre? Je sors toujours mes infos. Il me dit 500 ml d'acide chlorhydrique à 1 mol, réagit avec. Donc, c'est tout ce qu'ils m'ont donné. Réagit avec 11, je vais le mettre avec couleur aussi. Réagit avec 11,5 grammes de magnésium. Il me donne le magnésium. Il me donne la masse. Donc, je vais l'écrire ici. Magnésium, le Mg. Mais cette fois-ci, il me donne la masse. Masse, c'est 11,5 grammes. Donc, je vais écrire N et je vais écrire la masse molaire. Parce que la masse va toujours avec la masse molaire. Les volumes va toujours avec la concentration. Concentration va, donc, vous comprenez, hein, les petites familles chacune, N, V et C, M, N et M, ce sont ceux-là. Donc, c'est tout ce que j'ai. Eh bien, qu'est-ce que je peux calculer? Avec le V et le C, je peux calculer le petit N du HCl. Donc, je vais le calculer ici. Donc, j'écris ici, trouver, là, je vais faire ici, trouver le nombre de moles de HCl. Donc, trouver N de HCl, c'est-à-dire le nombre de moles de HCl. Comment je vais faire? La formule, C est égal à N sur V. Alors, le volume ici, je dois diviser par 1000 pour trouver là, c'est-à-dire, ça me donnerait 0,500 litres. D'accord? Vous divisez par 1000 pour trouver les litres. La concentration, ils me l'ont donné, c'est 1,00 mol par litre, qui est égal à N, N, je dois le trouver, sur le volume, 0,500 litres. Alors, le N ici, ça va être combien? Eh bien, tout simplement, si vous faites le produit croisé, vous allez trouver, alors je vais trouver le produit croisé, ça me donne 0,500 mol. Donc voilà, celui-là, je l'ai trouvé, c'est 0,500 mol. Voilà, je l'efface ici tout simplement pour avoir encore un peu d'espace. Maintenant, le Mg, qu'est-ce que je peux trouver avec le Mg? Je peux trouver son N. Bien, la même chose, parce que je peux trouver, on va écrire ici, trouver le nombre de moles de Mg, ça veut dire le N du magnésium. Alors, le N du magnésium, ça serait quoi? Donc, j'ai toujours, je dois trouver premièrement la masse molaire. Donc, la masse molaire de Mg, du magnésium, je crois que c'est 24,31 grammes par mol. Et là, je trouverai le N. Comment je le fais? Eh bien, je sais que petit N est égal à la masse qui divise grand N. Alors, petit n, c'est ce que je cherche. La masse, ils me l'ont donné, 11,5 grammes, divisé par la masse molaire qui est 24,31 grammes par mol. Petit n, il est égal à 0,473 mol. 0,473 mol. Donc, celui-là, la masse molaire, je le sais, c'est 24,31 grammes par mol. Le nombre de moles ici, c'est 0,473 mol. Voilà, j'ai trouvé le HCl, j'ai trouvé le Mg. Mais attention, ici, ils m'ont donné les deux réactifs. Donc, quand on a les deux réactifs, ou trois réactifs, ou je ne sais pas, si on a plusieurs réactifs, on n'a pas un seul, on doit trouver le limitatif. Donc, troisième étape ici, trouver le limitatif. Donc là, je vais effacer tout ça. Tout ceci. Troisième étape, trouver le réactif limitatif. Le réactif limitatif. Pourquoi je dois trouver le réactif limitatif encore? Parce que ici, ils m'ont donné les deux, ici. Alors, je vais les écrire pour que vous compreniez. Comment je trouve ça? J'écris premièrement ma réaction. J'ai le Mg, qui est solide, en fait, plus HCl, qui est aqueux. Ben, c'est pas la peine que je mettrai je les ai pas mis au début, je vais pas le mettre maintenant. Donc, 2 HCl, qui me donne MgCl2 plus H2. Mais si je regarde, j'écris les moles,
Regardez, ils m'ont donné, j'ai trouvé quoi? Les moles du premier et le deuxième. Le mol du premier, c'est 0,500 pour l'acide. Donc ça, c'est 0, les moles 0,500 moles. Et lui, c'est 0,473 moles. Vous voyez, j'ai les deux. Lequel que je vais prendre? C'est pour cela que la première chose que je dois faire, je dois chercher le limitatif. Alors, comment on cherche le limitatif? Par exemple, lui, je l'oublie. 0,473. Pourquoi j'écris grand trou? C'est 0,473 moles. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le magnésium, je fais comme si le magnésium, je le connais, et puis lui, je le connais pas, je mets un X. OK? Donc, c'est ce qu'on a toujours dit. Quand on a deux réactifs, le magnésium, je vais le mettre ici, j'ai nombre de moles. De moles. De HCl, c'est 0,500 moles, et j'ai nombre de moles de Mg, c'est combien lui? C'est 0,473 moles. Qu'est-ce qu'on fait? On prend l'un des deux. Moi, j'ai pris celui-là. On aurait pu prendre l'autre. C'est tout simplement parce qu'il est la première, c'est tout. Donc, on prend celui-là, on calcule lui. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je fais rapport. Les rapports. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Lui, coefficient stoichiométrique, lui, c'est 1. Lui, c'est 2. Lui, c'est 1. Lui, c'est 1. Ils sont spectateurs. Ils n'ont rien à faire. Donc, lui, je vais écrire 0,473 mol sur 1 égale à X sur 2. Encore, ça, vous devez. Je fais le produit croisé. Ça me donnerait X égale à. Produit croisé, ça me donnerait, alors, 0,946 mol de HCl. Alors là, je dois décider qui est le limitatif et qui est le limitatif et qui est l'excédent. Je vais les écrire ici. Moi, qu'est-ce que je connais? Je connais le nombre de moles. Je mettrai le nombre de HCl. C'est combien? C'est 0,500 moles. Je connais le nombre de moles de Mg. C'est 0,473 mol. Alors maintenant, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, qu'est-ce que j'écris la phrase? J'écris le nombre de moles nécessaire de HCl est 0,946 mol. Ce qui est nécessaire, ça veut dire ce qu'on a besoin. On a besoin de 0,947. Mais nous, combien on a mis? On a mis que 0,500. Donc, qui est le limitatif? Eh bien, c'est le HCl. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis assez. Donc, le nombre de moles nécessaires de HCl, j'ai besoin de 0,946 moles, mais moi, je n'ai mis que 0,500. Donc, qu'est-ce que j'écris ici? HCl est limitatif et Mg et en excès. Donc, cette affaire de limitatif et en excès, si vous trouvez encore un peu de misère avec, revenez à la leçon où on a fait ça. Mais c'est ça la logique, tout simplement. J'ai trouvé les moles de HCl et là, je l'analyse. Le nombre de moles nécessaire de HCl, c'est ça la phrase. Le nombre de moles nécessaire de HCl est. Si ce mot nécessaire n'est pas vraiment clair, je pourrais écrire même le nombre de moles dont on a besoin. De HCl, c'est-à-dire le nécessaire, je peux le remplacer par ça. J'ai besoin de 0,946 mol. Mais combien moi j'ai mis? J'ai mis 0,500 mol. OK? Donc, j'ai mis peu. Je n'ai pas mis beaucoup. Donc, celui, j'ai pas mis beaucoup. Donc, c'est lui le limitatif. Donc, le limitatif, c'est le HCl. Alors, je vais l'écrire ici. Je vais continuer ici. Donc, je vais effacer tout ça aussi. Donc, maintenant, quatrième étape. C'était la troisième. Quatrième étape, maintenant. Trouver le nombre de moles de H2, parce que c'est ça ce que je cherche. Je connais le limitatif. En utilisant le limitatif, en utilisant le réactif limitatif. Toujours, on utilise limitatif pour les calculs. Limitatif. Alors, j'écris encore ma réaction. J'ai le Mg plus HCl
qui nous donne H2 plus MgCl2. Et là, c'était N2, lui, ici. Alors, j'écris encore les moles. Seulement, les moles ici que je vais écrire les moles de HCl, pas celui du Mg, parce que lui, je dois l'oublier, parce que lui, il est en excès. J'écris 0,500. Je n'écris pas le 0,9946. J'écris le 0,500 que j'ai ici. Attention. J'écris le limitatif. Donc, le limitatif que j'avais trouvé, c'est 0,500. C'est ce que je vais écrire ici. J'écris ici 0,500 moles. Et qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver lui. Le H2, je mets un X. Je vais écrire ici rapport. Et j'ai fait les rapports. 0,500 moles sur 2 égale à X sur 1. Pourquoi? Cette coefficient est 1 ici, 1 ici, 1 ici. Là, j'ai fait le produit croisé. Il n'y a pas de produit croisé ici, en fait. Il n'y a qu'à calculer X. C'est 0,250 moles. Donc, le nombre de moles de H2 est 0,250 donc de H2. Dernière étape, parce que moi je cherche la masse, je ne cherche pas le nombre de moles, je cherche la masse. Eh bien, tout simplement, je vais l'écrire ici. Je vais, cinquième étape, trouver la masse de H2. Eh bien, la masse, donc la masse, je vais la calculer, ça veut dire le nombre de moles, j'en ai besoin, la masse molaire, j'en ai besoin. Le nombre de moles, je l'ai calculé, c'est 0,250 moles. La masse molaire de H2, c'est 2 fois la masse molaire de H. En fait, c'est 2,022 grammes par mole. Voilà, maintenant je trouve la masse. Donc la masse, je sais que le nombre de moles est égal à la masse qui divise la masse molaire. Le nombre de moles, c'est 0,250 moles. Je fais sur 1 égale la masse que je cherche sur la masse molaire, 2,022 grammes. Produit croisé, ça me donnerait la masse. Alors, je calcule la masse avec le produit croisé. Je vais faire 2,022 qui doit multiplier 0,250. Ça me donne 0,5055 grammes. Encore une fois, les chiffres significatifs. Alors là, je regarde les données. J'ai ici 3 chiffres significatifs. Ici, l'acide chlorhydrique, 500 grammes. Donc, ici, je n'ai qu'un seul chiffre significatif. Ici, j'ai 3 chiffres significatifs. Ici, j'ai 3 chiffres significatifs. Donc, l'acide, je vais vérifier encore. Qu'est-ce qu'on a fait? Oui, je n'ai qu'un seul chiffre significatif ici dans le 500. Donc, je vais garder un seul chiffre significatif. Donc, ici, je garde un seul significatif, c'est lui. Donc, la masse est égale à 0,5 grammes. Parce que je dois arrondir. Donc, voilà. Donc, j'écris réponse. La masse d'hydrogène. Alors, je vais effacer un peu d'ici. Hein. Donc, là, la masse, on a trouvé quoi? C'était M est égal à 0,5 grammes. La masse de H2 est de 0,5 grammes. Donc la masse de l'hydrogène formé est 0,5 grammes. Donc voilà pour cet exercice. Donc vous voyez, c'est pas difficile, c'est vraiment facile. Seulement, il faut suivre les étapes et c'est tout. Allez, bye.